Oh my god. Nice, nice. Nice. En vrai, tu vas pas aller NBA. Toi là, tu deviens violent là. Non, je me calme pas. Non, calme-toi. Regarde, regarde. J'ai fait un entraînement pour rien alors. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire croire à mon petit frère qui va à la NBA. Hier sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait des sélections pour une équipe de basketball pour des garçons d'âge d'entre 11 et 13 ans. Et mon frère, il a 11 ans. Donc là, j'ai trouvé que c'était parfait de lui faire croire qu'il allait à la NBA. Donc maintenant, on va aller l'annoncer la nouvelle. Et là, il commence à pleuvoir là. Donc là, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Allez, go! Dijon, lève-toi. Lève-toi. Quoi? Lève-toi. Quoi? Devine quoi? Quoi? Tu vas à la NBA. C'est faux. Ça c'est faux. Je sais. Je t'ai inscrit. Donc là, on va y aller maintenant. Je t'ai inscrit. C'est sûr? Ouais. Ok, mais pourquoi t'as la caméra alors? Comme ça, je vais filmer ton parcours de NBA. Là, dans 10 ans, tu pourras voir où t'as commencé, tu vois. Mais c'est ça. Ça existe même pas. C'est existe. Crois-moi, c'est moi qui t'ai inscrit. Crois-moi, c'est la NBA pour les petits. Donc là, on y va. Tu vas jouer, on va t'accepter. Et là, quand t'auras 18 ans, tu pourras aller à la NBA directement. N'importe quelle équipe. 100% sûr. Ok. T'es chaud? Oui. T'es chaud? Oui. Ok, c'est bon, va t'habiller là. A few minutes later. Bon, t'es chaud ou pas? Yes, allez, NBA là! Futur joueur là! Bijou, il n'a rien! Ok, si je rentre ça, tu likes la vidéo, ok? Si je rentre ça. Tu te sens comment là? Stressé? Ben non, faut pas être stressé. Ça va bien aller. Bon, il va bientôt commencer et j'ai oublié un petit détail, ok? Il ne faut pas que tu dises le mot NBA. Tu ne dois pas parler de la NBA à personne, ok? Parce que j'ai dit que ça doit rester confidentiel pour chaque joueur, ok? Donc ne dis pas le mot NBA, ne parle pas de la NBA, d'accord? Ok? T'as écouté ou pas? Tu m'entends ou pas? Dis oui, ping! Ok? Let's go, allez, vas-y. Tiens, joueur, vas-y. Ok. Vas-y, Marc, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, Marc, vas-y. Let's go. Ok. Oh mon. Pas grave. Encore. Let's go. Ça rentre. Ça rentre. C'est le stress, c'est normal, c'est le stress. Tu vas l'enlever? Là, t'as rien rentré là jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe là, Bijou? T'es pas encore chaud, hein? Mais échauffe-toi. Ça commence, vas-y. Vas-y. Rentre ça pour moi. Mais putain de merde. Toi aussi là. C'est la bonne, c'est la bonne. Let's go! Enfin! Allez, les marches commencent là. Let's go. Oh my god! C'était proche. Non, il est chaud. Allez, let's go! Meneur de jeu là. Vas-y, ok. Oh my god, frère. Let's go, ok. Marque ça. Oh my god, il était proche. Fais la passe. Oh my god. Nice. Good. Nice. Go. Oh my god. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont nuls. Moi, je sais que t'es le plus fort, mais... Peut-être que c'est pas le plus fort, mais... Tu dois jouer en équipe. Ils ne pas l'équipe. Tu dois juste jouer en équipe, ouais, fais des passes. Il n'y a que des grands dans notre équipe. Ok. Alors, pourquoi on reste pas au panier? Non, parce qu'on reste au panier, juste prenez chaque joueur. Ok, regarde. Lui encore. Ok. Regarde. Calme-toi. Ok, calme-toi. Juste jouer en équipe, c'est tout. Fais des passes, démarque-toi. Là, ton joueur. Juste fais ça. Là, tu commences à rager là. Okay. Tu veux aller à NBA ou pas? Ça va? Depuis, tu sais de faire des passes. Fais des passes, je sais. Dans tous les joueurs, c'est que le meilleur. Je vois. Tu sais même pas le meilleur. Non, t'es un des meilleurs. Frère. Je vois comment tu joues. Okay. Tu joues ma vie. Tu vois? Je suis Wade Pink et fais la passe à l'air. Bijou, tu dois. Okay, tout le monde n'est pas un joueur pro. Juste encore. Okay. Fais des passes comme j'ai dit. Nice. What the fuck est-ce que tu veux faire là? Nice. A few moments later. On est arrivé à la maison, ça fait déjà quelques minutes. Bon, qu'est-ce que t'en penses de la sélection? C'était bon. C'était bon? Tu penses que t'as été accepté à la NBA? Ben, je pense, ouais. Et comment tu trouves les autres joueurs?
Mais ils étaient. Moi, perso, je pense que tu es un des plus forts. Tu fais partie des plus forts. Tu dribbles bien, tu vas, tu sautes, tu marques là, tu vois. Tu fais partie des plus forts. Mais toi, comment tu te trouves les joueurs? Tout le monde est fort là-bas, sauf que, comme. Je sais pas comment expliquer, mais. Ils comprennent pas le sens logique, genre. Sens logique, vous faites un dire, sport. Ok, Ria, écoute. On va dire, quand on était. Quand on faisait des matchs 5v5, dans l'autre team, il y avait des gars très grands. Et c'est quoi le but d'aller les prendre si on sait qu'ils vont aller au panier? Et je les disais de rester au panier. Ah, t'es un leader, en fait. Ne m'écoutez pas. T'es un leader. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé, mais c'était cool. On a marqué. Pas des pros encore. Pourquoi tu fais genre, vous êtes des pros, vous devez garder les gars, ils sont grands. On est à la NBA. Ouais, pas encore. Vous êtes à la NBA, vous êtes à la sélection, mais tu vois. On est à la NBA sélection. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi à un moment t'as fait ça là? Comme Steph Curry, quand il shoot, il fait ça. T'as fait ça au gars. Steph Curry, mais. Parce que. Comme. Tu voulais lui dire de se taire? Il était là, il a dribblé. Maintenant, il a drive sur nous. Et j'étais comme ça, genre. J'ai levé les mains pour le bloc. Et il a marqué. Et là, il a fait la même chose. Donc, je l'ai répondu, j'ai marqué et j'ai fait la même chose. Ok, c'est choqué. Frère, t'as shoot, c'est rentré, t'as fait ça. J'étais comme, what? Qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Oh my God. Mais alors, pourquoi, à un moment, t'avais dit qu'ils étaient nuls? Quand tu venais de rentrer, là, tu vois? Ok. T'as fait un échange avec quelqu'un d'autre. Ouais. T'étais en sueur, là. Est-ce que t'as pris une douche, déjà? Tu t'es lavé où? Tu t'es pas lavé? Tu t'es pas lavé? Va te laver après, là. Okay. Ouais, pourquoi t'as dit qu'ils étaient nuls? T'es rentré, t'as dit qu'ils sont nuls. Parce que ça, c'était sur le coup, parce que comme ils ne comprenaient pas, je les parlais, mais ils m'écoutaient toujours pas. Et là, j'étais énervée. Ben, en vrai, même il y en a sur la game, ils étaient plus forts que moi. Ça me dérange pas. Mais sauf que j'étais énervée sur le coup parce qu'ils m'écoutaient pas. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais là, tu es trop fort. Ouais, ils sont tous forts. Okay. Tous forts, mais. Ben, sinon, comment ils allaient rentrer dans la NBA Academy? NBA truc là. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Donc, va prendre une douche maintenant là, parce que là, t'as pas pris de douche. Après, le soir. C'est qui? T'écris à qui là? C'est quelqu'un! Montre! Il a une meuf! Vas-y, montre! Ouh, il m'a mordu! Oh! Il m'a mordu! Qu'est-ce que tu attends si tu vas à la NBA? Mais je vais donner de l'argent à maman là. Quoi d'autre? Et je veux faire des choses, des campagnes pour arrêter la pollution. La pollution, ouais, d'accord, c'est cool. Donne-moi 10 minutes, je reviens, ok? Une belle grosse surprise pour toi, ok? Bye. Bon, je vais enfin l'annoncer qu'il ne va pas vraiment à la NBA. Et je ne vais pas seulement lui dire qu'il ne va pas vraiment à la NBA. Je vais lui faire signer un contrat et ensuite lui dire qu'il ne va pas à la NBA. Donc, voici le contrat. C'est écrit contrat NBA, signé ici. Donc, il va signer ici. Il va voir le logo, donc il va vraiment croire que c'est la NBA. Mais il ne va pas voir ça. Qui écrit en petit, veuille lire le recto de la feuille. On peut voir que NBA veut dire nominé bogos à vie. Donc, en science, ce papier-là, il est nominé bogos à vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va à la NBA. Et ensuite, ici, j'ai ajouté quelques règles. Respecter son frère, jouer 2 heures la play par semaine, obligé de faire tout ce que ton frère te dit, pas de manque de respect. Et ici, j'ai écrit pas le droit de dire que ce n'est pas juste, parce que ça se peut qu'il le dise. C'est pas juste. Et j'ai écrit merci. Donc, voilà comment je vais le montrer qu'il ne va pas vraiment à la NBA. Je ne vais pas lui dire seulement tu ne vas pas à la NBA. Allez, on y va. Bijou! Oui? Viens! Il arrive là. Quoi? Vas-y, viens, je vais te montrer quelque chose. Bon, maintenant, t'es à la NBA, non? Oui. Et quand tu vas à la NBA, tu signes des contrats? Oui. Pourquoi tu dois signer des contrats? Ben, pour gagner l'argent, tout ça. Ok, donc là, t'es obligé de signer un contrat. Viens, je te montre. Tu veux gagner de l'argent? Viens, ouais, t'inquiète. Viens, je te montre. Voici le contrat, ok? Oui. T'as jusqu'à signer ici. Okay. T'es obligé de le faire. Ouh, quelle belle signature. Ah ouais, ça c'est un gros basketteur. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, tu peux partir maintenant. Il a vraiment signé là. Non, attends, viens. Un petit détail, viens. Viens. J'aimerais juste te dire la vérité. En vrai, tu vas pas à la NBA. Tu mens. C'était quoi l'entraînement alors? Non, l'entraînement c'était juste pour l'équipe normale. Ah, j'ai réussi. Non. Ok, signé le contrat NBA. Contrat NBA. Ouais, je sais, contrat NBA, mais il y a un souci. T'as pas lu le contrat. T'as signé quelque chose sans le lire. Est-ce qu'on fait ça? NBA. Ouais, mais est-ce que t'as lu les lignes? Non. Non. Mais c'est ça? Regarde ça. Qu'est-ce qui est écrit ici?
Veillez à lire le recto de la feuille. Ouais, veillez lire le recto. Est-ce que tu l'as lu? Non. T'as juste signé. Ok. Exact. Donc, okay, attends. On va lire. Ouais, 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 t'inquiète. En vérité, voilà la définition de NBA. Donc, t'es nominé pour sa vie. Ok, t'es nominé pour sa vie. Donc, je vais t'appeler Bogos tous les jours. Junior. Je peux t'appeler l'air, vilain, non. Junior. Bogos sa vie. Junior. C'est NBA. J'ai fait un examen pour NBA. Non, 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 non. J'ai fait un examen pour NBA. Je crois pas à ça. Wow. Hey, tu baisses le ton. Non, je m'en fous. Je crois pas à ça. Oh, oh, oh. Je suis dans la NBA. Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Écoute, écoute-moi, ok? NBA veut dire nominé beau gosse à vie. NBA. Voilà pourquoi tu as joué aujourd'hui. Parce que tu es nominé beau gosse. Je vais toujours t'appeler beau gosse. T'es un beau gosse, toi, maintenant, tu vois? Non, j'ai joué au basket. Ouais, ouais, je sais. Il y avait des entraînements. C'était juste pour une équipe normale. C'était une équipe normale. C'était pas la NBA. Désolé, c'était juste pour une équipe normale. T'es sérieux? Ouais. Regarde, lis ici, ici. Lis. Qu'est-ce qui s'écrit? Après avoir signé ce contrat, tu respecteras toujours ton frère. Exact. Et tu écouteras tout ce qu'il te dit. Donc tu dois toujours me respecter. Tu l'as signé. Hé, hey, hey, tu l'as signé. C'est à qui ça? Non. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je m'en fous. Non. Toi là, tu deviens violent là. Non, je me calme pas. Non, calme-toi. Regarde. J'ai fait un entraînement pour rien alors. Tu vas être dans une équipe. Tu vas être accepté, t'inquiète. Tu iras même à la NBA un jour, je sais. Tu iras à la NBA. N'importe quelle équipe. Mais là, c'est juste que t'es nominé beaucoup sa vie. C'est juste. C'est tout. Tu vois? Regarde. Ici aussi, lis ici. C'est drôle. Seulement 2 heures de jeu à la play par semaine. 2 heures de jeu à la play par semaine. Pas de manque de respect. Pas de cri. Tu cries pas sur moi. Non, tu cries pas pour ça. Non. Junior. Lis ça. Qui a signé? Junior. Qui a signé? Je ne signe plus. T'as déjà signé? C'est pas ma signature. T'as déjà signé le contrat? Je m'appelle pas BM. J'ai la vidéo. Je m'appelle pas BM. C'est pas ma signature. Frérot, c'est ça quand on signe un contrat? Non, je m'en fous. T'as pas lu les lignes, c'est je ma faute. Fous. Contrat NBA. C'est contrat NBA. C'est pas un contrat de nominer Bogos à vie. T'es Bogos à vie maintenant? Yo, Junior, fais tes gifler, hein. Hey! Écoute. J'aime pas ça parce que tu respectes même pas le contrat. C'est écrit, t'as pas le droit de manquer de respect à ton frère. Et je m'en fous du contrat. Et de deux, essaye pour voir. Essaye pour voir. Gifler, hein. Essaye. Bon, pour m'avoir manqué de respect, j'ai pris les 2 manettes et quelques jeux. Je vais aller les enterrer là. Parce que là, il manque trop de respect là. J'ai même pas fait faux. T'as pas fait fort. J'ai pas fait faux. Est-ce qu'on gifle un grand? J'ai même pas fait faux. Est-ce qu'on gifle un grand? Là, ce que tu m'as fait. J'ai fait quoi? Tu m'as fait faire signer un contrat fou NBA, nominé beau gosse à vie. T'es un beau gosse ou pas? Non, je voulais un contrat NBA. Tu vas aller à NBA dans 10 ans. Je m'avais payé le matin pour aller dans un truc nominé beau gosse. Dans 10 ans, tu vas aller dans la NBA. J'ai même pas fait fort, cache pas les manettes. Ouais, t'inquiète, je vais aller les enterrer là. Et... Les enterre pas. Dis-leur bye bye là, parce que là, ils les vont enterre partir. Pas. Bon bye. Peace pour nos vidéos.